Et bienvenue les amis pour l'épisode 3 sur Spider-Man. Donc on continue ce petit let's play. Pardon. Quelques jours après. Et j'ai hâte de jouer. J'ai un petit peu de temps devant moi. 6% du jeu. Je suis incroyable. Et niveau 4. Incroyable, c'est juste le niveau de difficulté, le mec. Pas de panique. Donc c'est parti. Pour l'épisode 3. Donc on cherche un petit peu le. Bon, on continue un petit peu l'histoire, tout simplement. Voilà, donc installez-vous confortablement. Abonnez-vous, prenez le temps. Là, vous mettez pause, clac, vous vous abonnez. Ça coûte rien. Moi, ça me fait plaisir. Ça augmente la communauté. Vous laissez un petit commentaire. Et voilà, tout le monde est heureux. Tout le monde est heureux. Lors de course murale. Rond. Ok. Oui. Alors, les crimes, on avait vu qu'il fallait en faire quand même pas mal. Chantier de Fisk. Je dois inspecter ces endroits-là pour Yuri. Mais eux, ils font quoi? Comment ça va? Ah, quand vous appuyez carré pour les taper, au fait, ils saluent les gens. Excellent. Alors attendez, puisque là, je suis un peu perdu. Où étions-nous? Ok. Alors quand vous activez les tours, c'est ça, là. Ces choses-là. C'est un peu comme Assassin's Creed pour ceux qui nous rejoindraient. Vous débloquez donc des pâtés de maison, voilà, avec des activités. Là, il y a les sacs à dos. Il y a aussi des crimes. Alors, pour l'instant, on n'en voit pas. Et ces choses-là nous font gagner, si je ne me trompe pas, des jetons. Alors, les jetons, où sont-ils? Est-ce que j'ai un point de compétence? Non. Voilà. Des jetons, voilà. Et ces jetons, vous en avez besoin pour améliorer. Dans les compétences, tout un tas de trucs, ou alors dans les tenues. Vous voyez, les tenues, hop, si je veux par exemple ce pouvoir-là, il me faut 3 jetons de crime et un jeton de sac à dos. Etc. Voilà. Donc c'est comme ça qu'au fait, il vous oblige, entre guillemets, à faire un peu les missions annexes, dirais-je. Alors, il est où ce sac à dos? Il est là-bas. Hop. Tu veux pas t'accrocher là? Putain de con. Hop. Il est là. Vas-y, accroche-toi comme ça sera plus simple. Hop. Ah, donc celui-là on peut le prendre. Donc c'est quand même bizarre. On va aller au 200 mètres plus loin. Bon, l'étoile, je suis pas encore ultra bien familiarisé avec les mecs. Un peu bizarre. Ouais, mon petit doigt me dit que ces gens n'habitent pas ici. Merde. Vous ressemblez pas à des serruriers. Putain. Putain, hey, j'ai plus du tout les commandes en main. Je vais me faire défoncer. Je vais mourir. Mais voilà. Ouais, super, t'es fier de toi, enculé. Mince. J'ai vraiment pas encore les combats en main, les mecs. Ça, c'est chiant. Est-ce que du coup j'ai récupéré le sac à dos qui était là-bas? Oui. On va récupérer ce petit sac. Ouais. Tout simplement. Allez, grimpe. Ce qui est bien dans les Marvel, c'est qu'il y a toujours un justificatif pour avoir l'espèce de vision thermique là. Alors. Bon, vous voyez, on peut faire des petites figures dans les airs, c'est sympa. Alors, où vais-je aller? Agression. On va continuer un peu l'histoire, les gars. Vous savez quoi? J'ai envie de continuer l'histoire. On commence. Appel à toutes les unités. On nous signale une bande de stupéfiants en cours. Bon. Rendez-vous à Dutchtown.
On va juste grimper sur le mur comme ça sera plus simple. Yori, je suis sur l'un des chantiers de Fisk. Il y a pas mal de monde ici, mais aucun ouvrier du Ah, bâtiment a priori. ça va être des trucs peut-être en infiltration. Je vais essayer de voir ça. Un SMS du doc. On dirait qu'il a mis un concept de Spider Gadget en pièce jointe. Il arrête jamais. Bien joué. Oh, c'est stylé. Alors, lance-toile rapide. Grâce au plan d'auto, vous pouvez désormais fabriquer la toile de choc. Maintenez X. Débloquez un nouveau gadget avec des jetons ou des pièces trouvées en mission. D'accord. Vous pouvez utiliser des jetons pour améliorer chaque gadget. Oui, d'accord. Vous voyez, encore une fois, il vous oblige. Ah, c'est stylé. Donc, déverrouillage niveau 8. Là, c'est verrouillé encore. Donc, en plus, hein, on vous oblige à prendre des niveaux. Donc, ça, c'est un lance-toile rapide, mais je l'ai déjà. Et ça, c'est une puissante explosion de toile qui emprisonne instantanément les ennemis. Ah. Ouais, c'est comme ça qu'on améliore. Augmentation de la capacité, puissance. D'accord, très bien. Mais ça m'a l'air cher tout ça. Je pense qu'on va devoir faire un sacré paquet de trucs de crime, les gars. Alors, j'arrive pas à lire. J'aurais dû prendre mes lunettes. C'est pour ça que je suis allé à la fac. Parfait. Ah, d'accord. Excellent. Pour attirer les renforts. Putain, le problème c'est que je gère pas encore le. Vous voyez les touches. 10 coups de grâce, entoiler 5 ennemis à un mur. Putain, c'est chaud les gars. Oups. Bon, c'est mort. Allez, on va le frapper. Merde, j'ai bougé pourtant. Ah, sympa. Ça, c'est le pouvoir de ma tenue. Stylé. Mais j'appuie rond, putain, ça marche pas, leur merde. Putain, faut vraiment appuyer au bon moment, quoi. Encore crevé. La caméra est pas. Il y a mieux, hein. J'ai connu mieux. On dirait God of War. Oh non, en voilà d'autres. Comment on peut lutter contre ça? Mais vous ne pouvez pas, les mecs. Oh là! On a finalement arrêté 4 trafiquants d'armes dans un rayon. Mais what? Autour du chantier. Putain! Du trafic d'armes? Je vais voir ce que je peux faire pour bloquer l'approvisionnement. Attends, il faut que j'aille botter le cul à celui qui me tire dessus là-bas. Là. Aïe, j'aime bien ce pouvoir-là. Tellement stylé. Oh, c'est pas mal ça. Qui me... Les pouvoirs de tenue vous confèrent des aptitudes spéciales. Oui, bah ça je sais, merci. J'ai dépensé pour rien. Putain. Eh, mais y'a combien de vagues là? Ça, c'est pas mal l'interaction avec les décors, les mecs. Je
Pas mal l'interaction avec le décor, j'aime bien. Super, il y en a d'autres. Bienvenue à la fête. Laissez vos chaussures à la porte, sauf si vous n'avez pas de chaussettes. Mais dans ce cas, c'est quoi votre problème? Attends, j'ai pas trop le temps de rigoler à tes blagues, Spider-Man. Je sens qu'on sera en galère de... Ouais, fuck. Putain, je suis complètement déphasé. Mais ils sont ultra nombreux. Ça, j'ai compris le système. Faut les taper derrière, c'est comme dans Batman. C'est pas un souci ça. Ouais, dégagé. L'explosion de toile, je sais même plus comment ça marche. Ça marche. Il y en a encore un là. Ah, il y en a encore un là. Ouh, putain, oui, Bazookman. Ouais. Bien joué Spider, c'était nul à chier mais bien joué quand même. L'endroit est condamné, capitaine. Couvert de toile pour être précis. Et quelqu'un a enfin signalé des coups de feu. J'ai donc pu envoyer des agents. Beau travail. Merci. Jeton de base x2. Il faut vraiment aussi réussir les objectifs bonus les gars. Il y a d'autres chantiers en ville. Je parie que ce sont aussi des façades. Oh non. Ouvrez l'œil et faites-moi signe si vous voyez quoi que ce soit de suspect. Ok, très bien. De toute façon, faudra tout faire, les mecs, parce que, à mon avis, on a besoin. On peut le refaire. Si je veux trouver tous les chantiers de Fisk, il n'y a qu'une chose à faire. Je dois augmenter la précision de mon logiciel de navigation. Je devrais y arriver en appliquant un traitement 3D à des photos de bâtiments et de monuments. Et je sais par lequel commencer. D'accord, très bien. Pas mal du tout, hein, les gars. Alors, d'abord, je vais faire un petit tour à cette tour-là. Un tour à la tour, les gars. C'est pas beau, ça. Let's go, Spider-Man, Spider-Man. When you're gonna Spider-Man. Olé, on rase le cul de tout le monde. Je dois trouver d'autres tours à activer. Wouhou! Je crois que j'ai arrondi les angles avec le comité de subvention. Si l'essayage du première classe Texidor se passe bien demain, ça devrait aller. C'est fantastique, Doc. Super. Les affaires reprennent. Bon, bah les couilles. Super, Doc. Tant que notre petit incident ne parvient pas aux oreilles du maire, tu seras à l'essayage demain? Absolument. Ça va être génial. On va changer le monde, Doc. Si on ne déclenche pas de cataclysme, c'est déjà formidable. Ça va, Peter. On va marquer les annales. Les annales, ouais. Tu vas bien le prendre dans ton anal, t'inquiète pas. Avec tes 8 tentacules, mon pote, tu vas m'en dire des nouvelles. Oh waouh, c'est beau. Allez hop, on va prendre les petits sacs. Avec un petit crime en passant, ce serait plutôt sympa. Wouhou! Il est où ce sac? Mais il était là, il était caché. Il était caché. Attendez. Il n'y avait pas un truc là? C'est marrant, il peut se balader dans la ville au milieu de tout le monde. Tout le monde s'en fout, ils sont habitués. Un témoin signale une attaque en cours. Le signalement
Comment ça va? Ah, génial. Oh, on peut checker et tout avec les gens, les gars. Putain, c'est stylé, n'empêche. Alors, où est-ce qu'elle est, cette tenue, là? Putain, mais je gère pas du tout le bordel, les gars. C'est un truc de ouf. C'est quoi ici? Il y a une tour et quelque chose? Qu'est-ce qu'il y a en haut? Non. Par contre, il y a un crime juste là. On va essayer de le résoudre. Quelqu'un se fait agresser. C'est là? Non, c'est juste en bas. Oh putain, oui. Surprise! Oh putain, des armes. Putain, mais ils sont combien? Oh, attendez, faut que je m'occupe de celui qui a l'arme parce que. Il me fait chier depuis tout à l'heure, le con. Putain, mais y'en a combien qui ont des armes? Du trou du cul. Merde. En fait, lui, y'a que les projections aériennes qui marchent. Projection algérienne, tu sais, n'importe quoi. Et l'explosion de toile, je sais même et plus comment on fait. Pour les méchants. Très bien. Tout est bien, qui finit bien. Jeton de crime 2. Ouh, putain, les gars, je galère, hein, de ouf. C'est marrant, ces petites interactions qu'on peut avoir. Ça va? Je me dis même pas merci, c'est pas grave, j'habitue, enfoiré. Ça va, on est dans les temps, les mecs. Tenue. Oh! Regardez-moi ça. Je tombe monument, je sais pas ce que c'est encore, mais. Ça a bien donné. Les ennemis en alerte n'appellent plus de renfort. Augmentation ajoute 2 utilisations. Ah, c'est pas mal ça. On va garder nos petits trucs quand même, les mecs. Alors, on peut faire une imitation. Une élimination. Ça me convient parfaitement. Alors, on allait où, au fait? Où allions-nous? Est-ce qu'on n'irait pas à la tour ici? C'est la dernière qui nous manque, les gars. On va la faire. Comme ça, ce sera fait. Très bien. Ah, c'est stylé de ouf! Et c'est parti! C'est stylé. J'ai pas tout capté encore, mais c'est quand même stylé de ouf. Merde. Je comprends pas, quand j'appuie R2, il lance pas la toile. Et si je maintiens, il fonce comme ça. C'est bizarre. Hop. Bon, ça c'est un peu inutile. Spider-Man, Spider-Man, when you gonna Spider-Fucking-Man. Un peu inutile.
Le fait de décrypter les tours, bon. Système comme un autre. Salut. Pardon. My pote. Oh, c'est quoi ça? Octavius Industry. Attendez, si vous savez ce qu'on va faire, on va sauvegarder manuellement. Voilà. On est sûr de rien avec ces grosses conneries, les gars, je vous le dis, moi. Faites-moi confiance. Ok, c'est parti. On va résoudre un crime. Le trafic de drogue s'est intensifié depuis que Fisk est plus là. Je peux pas laisser faire ça. Dites-moi, vous comptez déclarer ça aux impôts, n'est-ce pas? Putain. Oh, cette brutasse. Et bouge, j'ai bougé. Oh non, j'ai bougé, putain. Nique ta mère. Pff, le gars, il m'enlève toute ma vie, quoi. J'ai mis en mode normal, j'ai pas mis en mode God of War, merde. Casse les couilles, hein. Bon, on va prendre le petit sac derrière. Et du coup, ils ont pu tuer le bonhomme. Quel héros de merde. Besoin d'un héros en carton, appelez-moi. Comme je vous l'avais prédit, tel Nostradamus, l'arrestation de Wilson Fisk par Spider-Man au mépris des conséquences a provoqué un raz-de-marée de nouveaux... Tais-toi, tu m'agaces, toi. Même si t'as raison, tais-toi. Oh, il y a un paquet de trucs qu'on peut faire ici. Mais je pense qu'on n'a pas encore le niveau, il faut avancer un peu dans la... Il faut avancer un petit peu dans la... Dans l'histoire. Merci. Ces types rentrent comme si c'était chez eux en brandissant leurs flingues. Qu'un honnête homme doive gagner sa vie la peur au ventre est inacceptable. Ouais, heureusement que Spider-Man est intervenu pour les neutraliser. Vous n'avez rien écouté ou quoi? C'est lui la cause du problème. Excusez-moi d'avoir élevé la voix. L'épreuve que vous avez traversée me met hors de moi. J'arrête. Notre auditeur semble sous le choc. Raccrochez-lui au nez. Je vais bien. Au revoir. Il est où ce truc là? Tout en bas? Oh putain les gars, c'est stylé quand même. Il est là-haut le petit coquin. Saut de quoi? J'arrive même pas, putain. Je crois que jusqu'à la fin du jeu j'arriverai jamais à saisir toutes les touches, hein, les gars. C'est complexe. C'est quand même très 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 complexe. N'aie pas peur, c'est moi. Spider-Man, Spider-Man. Ouais, il y a quelques quartiers, il n'y en a pas 15 000 non plus, c'est quoi ce truc là? À l'assaut du château, mission annexe, Upper East Side. What? On verra ça plus tard, les gars. Pour l'instant, on va aller. Tiens, on va faire celle-là. Après, on va faire celle-là. Celle-là et celle-là. Ça vous va? Parce que si ça vous va pas, je change mes plans, les gars. Dites-le moi. Non, personne. Très bien. Et c'est parti, Spidey. Let's go, man. Oh, attendez. Où est-ce que c'est? Où est-ce que c'est? Yeah. Y'a pas un cambriolage là par là? C'est où cette connerie? C'est pas là? Mais what? Où est-ce que c'est le cambriolage? C'est tout en haut, c'est mignon. Un bon vieux vol avec effraction. J'adore. Ah, vous avez tous oublié vos clés. On
Alors, salaud! On peut plus donner de coups de poing, ça fait mal, hein. Mais par contre, je comprends pas le bordel de l'explosion de toile. Et je doute que vous serez meilleur en évasion qu'en effraction. Pas compris le délire. De ça là. Non, de ça. Non. Putain les gars, je comprends pas le délire. Ah, c'était elle. Ah, d'accord. Lance toile. Toile de choc. Ok. Très bien. Bon, bon, on a récupéré des petits jetons de crime. Normalement, j'ai pas regardé, mais ça devrait être bon. Hein. Voilà. Putain, mais il y a combien de commissariats là-dedans? Ça va, c'est plutôt simple. Hell's Kitchen! Oh les gars, si on rencontre Daredevil, oh là, je dis champion du monde. Là, ça va être vraiment stylé de ouf. De ouf. Et je pèse mes gros mots. Ah oui, parce que vous savez, comme je suis vulgaire, j'essaie de me soigner. C'est ouf, cette connerie de sac. C'est là-bas. Yeehaw ! Il est où ce sac ? Il est là-haut ? Est-ce que vous croyez qu'il est tout en haut ? Il est où ? Mmh. Bon, je les laisse, hein, les trucs de poursuite. Mais il est où le sac? Putain, qu'est-ce que c'est que cette connerie? Une espèce de musique d'Avengers, là, j'aime bien. Attendez, on est bien d'accord, c'est un sac que je cherche, hein, oui. Mais il est pas là du tout. Il est plus loin. Oh. On aurait menti. Il est là, je le vois. Tais-toi un peu, garçon. Tu dis des grosses bêtises. Bon, c'est pas mal parce qu'ils les ont pas mis non plus tout le temps dans, en haut. Comme ça, ça vous fait un peu voir... la ville, les endroits un peu sordides, dégueulasses. Dégueulasse. Ok, c'est parti, on court sur le mur. Comme je kifferais faire ça en vrai. Je pensais qu'on peut tomber dans l'eau. Moi je pense que oui. Oh putain. Oh vache. Ouais ça roule. J'ai failli tomber. T'inquiète pas, je suis en vie. Alors pourquoi il veut pas s'accrocher? C'est ça que j'arrive pas à comprendre les mecs. Pourquoi je peux pas monter là-dessus? Stop! Putain, mais quelle excité avec sa toile! Pourquoi je ne peux pas? Ah, il faut vraiment qu'il y ait le truc. Oh putain. Oh putain, mais fuck! Ça m'énerve tellement, les mecs. Wouh, cette cam!
faut faire un truc à tous les coups, non? J'ai pas l'impression que je puisse, hein. Ouais, doucement. Bah écoutez, si on peut. J'étais trop excité. Putain, c'est joli, regardez les bateaux et tout, c'est pas mal. Bon, c'est pas terrible leur mouvement sur l'eau, mais... Déjà, il y a des petits bateaux. Le rendu de la mer a l'air plutôt beau. Voilà. Carrément un mec sur le truc, ok, très bien. On sauvegarde un petit peu, les gars. Normalement, ça sauvegarde assez régulièrement dans ce genre de jeu, mais... Quand on vient de récupérer quelques petites choses, j'aurais pas envie que ce soit perdu. Où est-ce que je veux dire? Allez, go. On touche avec les yeux. Ouais, c'est parti. Let's go party. Spider-Man urbain, je ne sais pas ce que c'est. Wouhouhou. Stylé. En fait, j'ai compris, il faut vraiment éviter de... C'est pas comme dans Batman où vous pouviez lancer le grappin un peu n'importe où. Là, quand vous bougez, il faut bouger entre les immeubles. Parce que si vous êtes au-dessus d'un immeuble, il peut pas lancer sa toile. Donc ça, ça pose problème. J'ai compris. Sur des quartiers activés. Bon, pour l'instant, hein, y a beaucoup de tours à activer, machin, les gars, mais vous inquiétez pas, après ça va avancer. Hein. Ah, je fais des petites choses sympathiques, parce que de toute façon, c'est des choses qu'il faut faire, les mecs, parce que. Je peux pas les laisser s'en prendre à cette personne. Mais vas-y. Tous mes coups sont permis. Cool. Mais ils sont combien sur les gars? Bim. Ah dommage, ça vous sert de rien. Il est pas aimé partout quand même. Vraiment désolé. Spider cochon, Spider cochon. Il s'est marché au plafond. Mm-hmm. Qui rigole comme un teubé là? Regarde toi. Alors, ça nous fait combien de sacs à dos? 16. C'est pas mal, ça, les mecs. Une affaire qui roule. Est-ce qu'on récupère celui-là ou est-ce qu'on fait la... Mm-hmm. 1 sur 5, quand même. Il y en a pas mal. Hein. Allez, on va aller faire la quête. Normal, elle est bloquée. Moi, je vous conseille vraiment de voler entre les immeubles, hein, comme je fais là.
De temps en temps, vous êtes obligé de vous en prendre un de plein fouet. Ah, c'est l'Empire State Building, ça, j'ai même pas reconnu. Putain, c'est quoi leur délire? C'est ça? Le viseur. Mais what? Sujet. Ah, c'est ça l'Empire State Building, d'accord. Ah, jeton de monument, c'est ça. Ok, oh, ça va. J'avais oublié à quel point ça me les monuments, faut prendre des photos des monuments, monument, d'accord. T'es vraiment pas mal de petites choses à faire, hein, c'est mignon. D'accord. Ouais, donc de toute façon, ça sert à rien que je fasse ces trucs, puisque au final, ça va être gavé de machin. Oui, il va falloir que je revienne encore sur mes pas, quoi. Ok, très bien. Ok, mais ensuite, la quête, elle est où? Il n'y a plus de quête. Flux social. Bah les gars, je vois plus où aller. Mission. Prends une photo, c'est ce que je viens de faire. Ah voilà, ok. C'est Monsieur Lee. Allô? Peter, c'est Martin Lee. Je voulais te dire qu'on avait encore besoin de temps pour préparer la fête de mai. En fait, le gâteau est toujours coincé dans les embouteillages. Eh ben mince. Oh, d'accord. Vous savez qu'à me dire quand vous êtes prêt et je passerai. Excellent. À bientôt alors. À bientôt. Ok, j'ai un peu de temps libre. Voyons ce qui se passe en ville. Très bien. Explorez la ville pour améliorer votre équipement et vos capacités. Attendez, on va zoomer un petit peu, monsieur là. On va se prendre quelques petits trucs de monuments histoire de voir les mecs. Puis après on va se laisser là. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que ça vous donne envie de jouer au jeu? Est-ce que... je sais pas. Ouais, mais du coup c'est quoi que je prends en photo? Moi je veux bien. Mais c'est quoi que je prends en photo? Oui. Bonjour monsieur Muggins. Si c'est à propos du loyer. Monsieur Parker, cet appel est votre troisième et dernier avertissement. L'expulsion. Attendez, attendez, je suis payé en fin de semaine. Je peux. L'expulsion débutera vendredi si vous ne procédez pas au paiement total avant la fin de la journée. Au revoir. Une bonne journée. Bon, attendez, je vais faire le crime là-bas. Pour le monument, je vais voir après parce que ils nous ont expliqué ce qu'il fallait que je fasse au premier. Merde. Mais j'ai bougé putain de ta mère. Oh ça me fout en rogne les gars. Ah oh, ça m'énerve tellement. Oh, je vais péter un plomb. Oh putain. Ça m'énerve tellement. Et je comprends pas leur délire avec le monument en fait là. Quoi c'est ça, cette merde faut que je prenne en photo, c'est une blague. Putain mais c'est quoi le délire?
Ah, mais on peut se faire attaquer comme ça dans la rue? Putain, d'accord. Non, mais qu'est-ce que je branle avec les monuments, les gars? Et qu'est-ce que je fais avec? Mais what? J'ai rien capté au truc de monument. Oh, rien du tout. La petite musique. Putain, je comprends rien, les gars. Bon, attendez, parce que je comprends rien. Mais je comprends rien. The Flatiron Building. C'est pas ça là? Mais what? Les gars, là je comprends, mais que dalle. Et donc ça là-bas, on va aller voir, hein, peut-être que... Je vais pas descendre, Spider-Man, merci. Ah, donc faut peut-être que je me mette en face. Peut-être ça, les gars. Et que je prenne en photo ça. Putain, mais je capte rien, ça me pète les couilles. Mais what the hell? Afficher l'objectif, ouais. Carte, pose, se balancer, patafouin. Gadget, appareil photo, non, c'est bien ça. Mais what? Putain, les gars. Faut m'expliquer. Est-ce qu'il y a un truc qu'il faut que je trouve à prendre en photo? Mais what? Mais qu'est-ce que c'est que ce gros bordel? Oh. Putain, les jetons monuments, on va pas en avoir beaucoup, les mecs. Je comprends rien. Bon, allez, laissez tomber, je bite rien. On va plutôt aller faire le truc là-bas. C'est où? C'est au-dessus à tous les coups. Ouais, oui.
Très bien. Comment ça se fait un petit peu aux commandes, les gars? Mais j'ai maintenu carré, putain, mais c'est jamais sur le bon. Putain, maman, tiens, bouffe. Un conseil, si vous êtes nul pour le vol et les fractions, c'est bien. Vous devriez changer de branche. On y arrive un peu mieux. Bon, écoutez, les mecs, nous on va se laisser là, et puis je vais vous dire à bientôt au prochain épisode. On va essayer de régler ce petit problème de monument que je ne comprends pas. Et je vais vous faire des gros bisous d'amour. Allez, ciao, ciao.